Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Subnautica. Chers amis, nous sommes sous l'eau, nous sommes accompagnés même d'ailleurs, je dirais. Et nous cherchons toujours de l'argent. Minerai de cuivre, dommage. Or, je prends. Alors, nous avons un petit peu d'or, nous avons un petit peu d'argent. Il faudrait un peu plus d'or et un petit peu plus d'argent. C'est à scanner ça? Ah non, c'est des débris métalliques. Oxygène, oui effectivement. Il faut que tu respires. Tu vas pas mourir de rire. Ok, c'est bon. Here we go again on our own. Our, pardon. J'ai dit our, mais c'est our own. Ok. C'est un minerai d'argent, j'ai bien fait. J'ai bourré le bouton en fait, à vrai dire. Faudra un deuxième d'or alors. Troisième d'argent, je vais le prendre aussi. C'est quoi? Je vais virer un titane, parce que le titane j'en trouve partout. Qu'est-ce que c'est ça? Fragment de baie à véhicule mobile. Je l'avais déjà, merde. Ok. Merde! On est où par rapport au roi? D'accord. Je cherche à la fois des bouts. Titane. Non. Des bouts de Simof. Simos. Vous dites comme vous voulez. Hein. De l'or. Des montagnes d'or. Titane. Sea glide. Allez, je respire un coup et on y retourne. Hop, on y retourne. Vue d'ensemble. Ok, j'ai ça ici. Cuivre. Titane. Titane. Wow, bestiole. Apparemment il en a pas après moi. Là y'a rien. Lui il en a après moi. Non? Non ça va. Imhotep. Imhotep, chers amis, c'est vrai qu'on est un peu low en PV. Quand je dis un peu, c'est un euphémisme. On va respirer un coup. Il va falloir qu'on ait mangé aussi. Ça va être une nécessité, malheureusement. Qui risque de nous bloquer. Titane et merde. Ici. Cuivre, non. Allez, file-moi un peu d'or. C'est un dépôt de sel, ça, Marcus. C'est pas pareil. Plomb. J'aime bien comme le plomb il sort déjà en petite bouboule. Titane. Non. Wow, qu'est-ce que c'est? Putain, non, c'est pas. Je croyais que c'était du Simos, justement. Malheureusement, non. Ok, on y retourne. Je vois rien qui puisse ressembler à un Simos. De près ou de loin, d'ailleurs. Tout comme je vois rien qui puisse ressembler à de l'or, hein, clairement. C'était génial ça. La meilleure attraction du pays. Ici. Cuivre. J'ai pas envie de retourner à la base pour... Titane. Non, ça s'en est pas un. C'était pas un bout de Simos non plus.
30 secondes. Putain, je confonds certaines choses dans l'eau. Bon, on remonte parce qu'on est assez profond malgré tout. Je trouve pas la dernière pièce d'or. Hein. C'est un problème, c'est bien la dernière, d'accord. Hein. J'ai un or pour 2 d'argent, 3 d'argent même. Il faudra un peu plus. S'il te plaît. Faut demander poliment, des fois ça change tout. Putain. Il suffit de demander poliment. Hein. Alors par contre, je vois des objets. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait ressembler à un Simos? Apparemment non. Oui, je remonte exprès. Ok, je regarde juste s'il n'y a pas un Simos, un bout de Simos quelque part. Ah, il pourrait peut-être y en avoir un bout là-dedans, pas loin. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Rien. 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 Ah, ouverture par le haut. On va y aller. Oh la vache. Putain, je m'étais pas rendu compte que j'étais allé si profond d'un seul coup. Je sais pas vous. Ok, on y va. Alors j'étais sur le point de dire que ça me dit vaguement quelque chose, cet endroit. Mais c'est pas possible. Fragment de distil. Souhait. Apparemment, je l'avais déjà. Ça, c'est fermé. Ça, c'est une chaise. Ça, c'est scellé. No signal. D'accord, on remonte. Oh la vache. Pour ressortir de ce truc-là, c'est chaud. Et je vais changer de pile par précaution, je pense. Et ça m'emmerde. Non, 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 je change pas de pile, on y va. Allez hop. Allez hop, on y va. Il y a déjà tellement profond pour y aller, quoi. Oh la vache, 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 ici. De l'eau. De l'eau. Allez, allez, allez. Allez! 30 secondes. On ressort. Vite. Ah merde. On ressort, on ressort, on ressort, on ressort. On a plus que 15, moins de 15 secondes pour remonter tout en haut. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ça stresse pas de trop, Marcus. Par contre, j'ai l'impression qu'on bousille 5% d'énergie à chaque fois qu'on descend. On y va. Je regarde tout autour pour voir si je trouve pas un bout de Simos qui vole, qui flotte, qui coule. Hop, on y retourne. Allez, 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 allez. Putain, la pile descend très très vite là-dessus, j'ai pas fait gaffe. Allez. Simos. Putain. Faudra que je revienne ensuite. Faudra que je revienne ensuite. Oh là, ça va être short. Oh là là. Ouh là là. Je regarde pas. Putain, on a réussi. Oh que c'est dur. On a eu le Simos. Est-ce qu'on considère qu'on a eu tout ce qui nous intéressait pour le moment? Faut que je regarde un truc. Pour la pile, champignons et cuivre. Je récupère des champignons à la maison. Et on y va. On y va, on y va. Le Simos, ce sera pas pour tout de suite. Pourquoi je dis ça? Principalement parce que j'aimerais que ce Simos soit fait
si possible. Putain, j'ai l'inventaire qui est complètement plein. Enfin, en même temps, je suis tellement plein de piles vides. Je vais virer des piles vides, tant pis. J'aimerais que ce CMOS soit fait à un endroit où je connais l'endroit, en fait, simplement. Ce qui, comme ça, peut paraître débile. Kit de câblage avancé, dac. Je viens de me planter, c'est ça? Je viens de me planter, j'avais pris kit de câblage, en fait c'est un circuit intégré qu'il fallait. Et pour le circuit intégré, il me faut des jonctions de corail plate 2. Et je sais exactement où trouver. Je dois avoir de la bouffe encore ici, non? J'en ai plus. J'en ai plus du tout. Déjà, soyons sérieux, 2 minutes. Toutes ces piles. J'en ai mis une qui était chargée, c'est ça? Ok, c'est bon. Échantillon de corail ordinaire, je peux le mettre. Il me faut un échantillon de corail plat et de la bouffe surtout, il va me falloir de la bouffe en quantité. Putain, je dis qu'il me faut de la bouffe, regardez, il n'y a plus rien autour quoi. Ok. Ah, j'ai plus de piles, ça y est. Crac. Corail plat rouge, ça doit être ça, non? Ok, j'ai ce qu'il faut. Non, il me faut de la bouffe. Ok. Donc, apparemment, je peux pas les prendre. Ça, c'est de la saloperie, c'est ce qui me monte dessus et qui me bouffe. Le bras? Voilà, merci. Crac. Donc, j'ai le corail plat. Donc, on devrait être bon. On devrait être bon. Ça, c'est bon. Je peux donc faire un clip de câblage avancé. Oh merde. Bon, je fais un canon en propulsion parce qu'apparemment c'est ça qui va m'intéresser le plus pour le moment. Ok, bon, ça c'est fait. Maintenant au niveau bouffe. Parce que ça va pas trop en termes de bouffe là en ce moment. Même mettre un petit asséché comme ça, ça va me rapporter plus de bouffe. Mais apparemment on m'avait dit avec le asséché je peux en bouffer autant que je veux, je crois. Hein. Ok, bah on est bon finalement. Pour la pile, bah écoutez, j'ai pris des trucs qui me serviront pas. Ça prend une place incroyable par contre. Bon, si j'imagine que si c'est un canon, c'est une arme, donc je vais remplacer le couteau. Pour le moment en tout cas. Le plomb, j'aimerais bien le ranger. Je sais que j'ai pas grand chose d'intéressant ici. Le quartz, je récupère. Fusil éclairante, ça m'intéresse pas. Je range le plomb, mais je sais pas encore trop pourquoi non plus. Hein. Parce que finalement, ça me fait toujours pas assez de place. C'est pas grave. On y va. On a ce qu'il faut. On retourne à l'Aurora. On retourne à l'Aurora, donc suite de la précédente vidéo. Alors, si je fais ça, c'est pour simplement aller voir si j'ai allumé la lumière ou pas. Voilà. Parce que je pense que je consomme moins sans lumière. Logiquement, je dirais... Oui, je consomme moins sans lumière. Je vais aussi regarder un truc vite fait, chers amis, ça ne vous dérange pas. Hop, un instant. Crac, d'accord. Parce qu'en fait, là, je suis en train d'uploader le premier épisode de Ghost Recon pour le jour J, hein, tout simplement. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais tourner du Subnautica en même temps. Comme ça, je gagnerai du temps. J'aurai tourné mes 3 Subnautica de la semaine. Parce que j'avais déjà tourné, j'avais du mal à m'arrêter la dernière fois, du coup, j'avais déjà tourné un petit peu d'avance. Et c'est vrai que c'est un super jeu, je m'amuse vraiment dessus, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un gros potentiel. J'ai cru entendre un poisson. Oh, c'est dans ma tête. On a qu'à dire que c'est dans ma tête. N'est-ce pas que c'est dans ma tête? Ok.
toute façon, j'ai des piles, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que je peux recharger mes outils en cas de besoin, voire même intervertir les piles, vu que j'ai une pile vide. Donc c'est pas mal. On a ce qu'il faut. Finalement, il n'y a pas tant de méchants que ça. Oh pute! Oh pute! J'entends pas. Apparemment, il m'a pas vu. L'espace d'un petit instant, j'ai cru voir un gros poisson. Genre trop gros. Et bien sûr, quand je dis trop gros, c'est qu'il est d'une taille trop imposante. Ah, je veux surtout pas aller dans ce coin là. Non, ça c'est un truc normal. Ça, j'ai pas peur de toi. Enfin, j'ai peur de toi, mais sans plus. Le soleil, bah oui. Ah bah oui, par contre c'est con, tu peux pas me suivre sur la terre ferme hein. Eh ouais, l'évolution mon gars. L'évolution, c'est Darwin qui t'emmerde. Bah, Tiba Inya Zavavit, si wawa. Ah, ellipse, chers amis, parce que faut pas que je... Faut pas que je foire ce coup là. Ok, re, chers amis, on est bon. Donc là, on y va. On ne perd pas de temps. Un truc bizarre là. Non, c'est des petits poissons de merde. D'accord, ok, bon, on y va. On y va, on y va, on y va. Bon, on y va, on est bon. On retrouve le bon endroit pour re-rentrer dans le vaisseau. Et je pense qu'on s'en approche très rapidement là. Donc c'est très bon signe, donc c'est très bon. Ok, bon. Je dis tellement de fois bon, 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 bon. Mais bon. Les bonbons, c'est bon, mais n'en mangez pas trop. On t'a pas vu! T'inquiète. Faites que je peux passer dans ce trou. J'y suis passé. Eh ben non, je suis bloqué. Le jeu m'a niqué. Allez, c'est bon. Donc, jeudi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Oui, bonjour. On t'a vu te planquer là aussi. Hein. Tu sais. Mais bon, c'est. Je stresse des fois pour rien. C'est violent! Bon, on n'est pas très très loin de la base finalement. On est à 2-3 brasses, c'est tout. Oui. Ah oui. On y est, c'est bon. On va pouvoir s'occuper de tout ça. Alors déjà, on va pouvoir utiliser aussi le canon sur... Comment ça marche? Oh. D'accord. Oh putain, ça se gaspille vite. Oula. Non, on va pas l'utiliser sur ces trucs là. On va faire le garder. Un maximum. De toute façon, si je sprint, vous pouvez plus me toucher. Waouh. Et je dis ça, il y en a un qui pop juste devant ma gueule à ce moment là, vous avez vu ça? Je ferais mieux de la fermer des fois. Ok, on est bon. Alors question, est-ce qu'ils sont considérés comme de la faune et est-ce qu'ils repop? Parce qu'apparemment... Il y a un petit paquet qui est revenu quand même, hein. Je veux pas dire, hein, mais... Enfin bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça s'appelle un suicide. Comment tu ressors, Marcus? C'est bon, on peut passer là? C'est limite quand même. Hein. Voilà, là c'est bon, je peux passer. Ok, bon, allons-y. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une pipille. Ça c'est cool.
Quoi? Non. Oh merde, faut que je regarde dans les... Oh, dans les logs. Non, c'est pas ça, c'est ça. Survivant du dégazi, code. Chose essentielle. 14:54. Ok, ça doit être ça. Allons voir. Oui! Oh. Ah oui, ça... Ça pue un peu du cul, un peu du cul là-dedans en fait. D'accord. Question. Est-ce que je peux vraiment réparer le truc? Ouh. Ça, je l'ai déjà. C'est certain, je l'ai déjà. Voyons voir. C'est vide. Ça, c'est de l'eau. Ce qui a manqué finalement sera peut-être de la bouffe. Parce que l'eau, c'est bon, hein, je la trouve en quantité incroyable, mais je la trouve. Combattre les flammes. What? Faut se calmer ma fille, hein, je viens de t'éteindre. Putain, pas complètement en fait. Quoi? Mais merde! Faut pas réparer ça. D'accord, je voulais vérifier. Bah j'ai vérifié. Et résultat, on répare pas. Ok. Par contre, si la soute est vide, je vais avoir l'air d'un con, hein, je veux pas dire. Hein. Oh. Ça, c'est pas vide. Moteur de cyclope. Ah, d'accord. C'est donc le cyclope que je suis censé trouver ici. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Un truc dans le coin ou... C'est juste histoire d'eux. Apparemment c'est juste histoire d'eux. Enfin bon, ils auraient pas mis ça comme ça je pense si... Bah sauf si tu peux pas grimper dessus, hein, forcément. Et là ceci voudrait dire cela. Pas utiliser ça non plus, non, j'imagine qu'il a plus de piles. C'est pas comme si j'avais des piles sur moi. Je vérifie toutes les caisses quand même, parce que bon. On n'aurait pas l'air d'un con si on oubliait quelque chose. Ça me semble bon pour toutes les caisses. De toute manière, si j'oublie quelque chose, vous serez là pour me le rappeler, chers amis, et je vous en remercie. Je vous en remercie. C'est ouvert. Et pas dans le bon sens. Des papiers. Oh, j'ai vu un truc là, se déplacer. T'es mort? T'es mort? Putain, sale bête. Évite de laguer, s'il te plaît. C'est bon, je l'ai eu. Oh la saleté. Ah, forcément, le truc que j'ai rangé, quoi. C'est quand même super sympa à voir, je trouve. Ok. Qu'est-ce que ça fait? Ça ouvre la porte. Et ça me mène à... Fragment de Simos. Je les ai déjà. Je l'ai déjà, le Simos. En entier. Mémoire. Ouais. Ouais, 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 ouais. Remarque, je peux respirer ici, donc c'est cool. Balance de pression, si tu veux. Donc quoi, faut bien regarder hein, partout. Oh. On peut descendre encore plus bas, non? Non. Ok, on va vérifier dans chacune des trucs quand même. Hein. C'est à peine stressant comme endroit, je trouve. La menace cachée des petites saloperies, là, c'est...
C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu des flammes. Le blindage est le principe à suivre des dommages internes modérés durant la collision. Ne tentez pas de réparer sans les qualifications appropriées. Si tu le dis. Alors, quand il y a de l'eau qui passe, normalement, les flammes s'arrêtent, hein, les filles. Hein, je vous cache pas que je suis assez déçu de cette erreur. Bon. Il y a un coffre, là. Bien planqué, mais il y a un coffre. Belle tentative de plan couille. Non, je voulais récupérer la pile. Si ça pose de problème à personne. Merci. Parce qu'avec tout ce que je... Oh ! Oh, je sais ce qu'il faut faire ici ! Ça, je sais. 5. Hop là. Faut trouver tout ça, normalement. Il y en a plein. Il doit y en avoir 6 ou 9, je sais plus. Inventaire plein. Module de rendement énergétique pour Cyclope. Je prends. Hop. Plus que 9, donc il y en avait 11 au total. D'accord. Donc potentiellement elles sont toutes autour de ces trucs là, de ces poteaux là. Hein. J'ai même pas fait gaffe s'il y avait des poissons dedans moi. J'y vais comme ça, à l'arrache. Je crois que j'ai la réponse à ma question. Raté, raté, raté. Putain, ils sont nombreux. Je les ai tous eus ou... Mmh. Non, il y en a encore. Je crois que j'en vois encore. Ah, juste au-dessus de moi, il y en a un qui vient de passer là. Voilà. Il est mort après m'avoir pompé à ce point-là ou... Ou il s'est dit qu'il va peut-être en reprendre un petit bout plus tard, je sais pas. Qu'on m'explique. C'est de la saloperie. C'est de la saloperie. Allez, allez, allez. Ici, bien plancouillé quand même, hein. Ok. 4. Ça se passe assez bien. Alors, je sais pas ce que ça va donner d'avoir moins de radiation. Cela dit. Est-ce que ça veut dire que je vais pouvoir venir avec une tenue normale et peut-être avoir plus de choses? Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a, grosso modo... Grosso modo, est-ce qu'il y a un trou immense dans lequel je ne peux pas aller et par conséquent... Là, il doit être là. Par conséquent, il me faut une tenue avec plus de choses ou je sais pas trop quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Les contraintes de l'armure, c'est actuellement que je ne peux pas... Je peux porter des gants et pas un deuxième... Et pas un deuxième... comment... Une deuxième... Bouteille? Je vais dire bobine, mais bouteille d'oxygène. Niveau de radiation en diminution. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle, ça. J'ai juste envie d'aller voir l'autre truc là-bas. Ah putain, ça va prendre 3 jours. Ah d'accord, c'est ici. C'est ici que je passe. Ok. Je reste pas trop là parce qu'apparemment il y a des trucs qui tombent dessus. Et y avait rien. Tu l'as dans le baba Marcus. Tu as quand même un Sea Glide, non, un Seamoss en préparation. Quelques bouts, si je puis dire. Ah, c'est pas fini. Quand il y en a plus, il y en a encore.
D'accord, voilà, c'est ça que je cherche. Merci. Crac, allons-y. En espérant que ce soit suffisant au niveau de la pile qu'on est dans le truc. En tout cas, c'est vraiment génial de pouvoir explorer comme ça. C'est absolument génial comme jeu. C'est absolument génial. Bonjour, je sais ce que tu vas me faire, mais tu peux attendre 2 minutes. Je vais te bouffer, moi. Ça va finir. Je prends les deux. Celui-là. Ok, on y va. Ok. B à prone. Prone. C'est pas les... Non, c'est pas une armure, c'est pas possible, j'ai pas encore le cyclope. On peut me filer déjà les armures si j'ai pas le cyclope. C'est pas possible. N'empêche, si vous pouviez me donner de la bouffe plutôt que des piles. Waouh, encore. Finalement, j'aurais peut-être dû le prendre, le machin, sur place. Il va falloir que je fasse un demi-tour, je le sens. Bah non, puisque c'est ici. Attends, si c'est ici, moi, je peux peut-être le réparer de là. Hein. Hop, allons voir. Apparemment ça marche. Ok, j'ai pas besoin de monter sur le feu pour y arriver. Wouhou, c'est la fête. Ok, merci. Toc toc. Putain, mais j'ai pas encore le cyclope. Vous êtes sérieux les mecs? Ah bah cool, bah merci. Donc je vais avoir droit à une armure, chers amis. Pardon. Combinaison de... Fragment de combinaison prone. Qu'on a pu voir sur le poster en plus tout à l'heure. Je peux prendre celle-là aussi? Oui. 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 Il m'en faut 4. Bah 3 et 4. Ah ah. Ah ah, je vous ai niqué le jeu. 3. Et 4. Voilà, merci. Par contre, on va quand même fouiller la zone des fois qui est un petit module de quelque chose dans le coin. Ah, je m'en doutais, la physique dans ce jeu, c'est quelque chose. Elle marche que quand t'es sous l'eau, c'est bon. Putain, il y a encore une pièce. Wow. Regardons les portes. Vérifions les portes. Des fois qu'il y ait un extincteur dans le coin. On va regarder. Peut-être le trouver, hein, n'inquiétez pas. Ça va être de l'eau, tout ce qui est le plus classique. Ça par contre, je sais pas ce que c'est. C'est un cube de je ne sais pas quoi. Bloc de nutriments. Ça tombe bien, j'avais faim. Merci. Ça fait du bien par où ça passe, honnêtement. J'ai aucune raison de me plaindre. Ok, j'ai pas le droit d'aller par là. Je l'ai déjà scanné, apparemment. Bloc de nutriments, d'accord. J'avais déjà vu. Lit étroit, d'accord. Je scanne. Je m'embête pas. C'est long. C'est ce qu'elles disent toutes. Je ne vois pas d'extincteur dans le coin. Ça fait chier. Je vais virer ça. Hop. Poster, je veux le garder. Stockage. Et je crois que je l'ai déjà. Hein, soyons honnêtes, je crois que je l'ai déjà. D'accord. Ce que je n'ai pas, c'est un extincteur. Il va me falloir un extincteur.
C'est de là que je viens ou c'est quoi ce bordel? Non, non, je voudrais. Ah d'accord, ça c'est un récupéré. Et ça c'est un stockage. Ok! Oui, ça c'est un objet. Oh! 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 Sweet Offer, 1869. Non, apparemment, c'est pas 1869. Peut-être là, si. Ah! Aha! Vas-y, ouvre. D'accord. D'accord. Un autre truc. Document public. D'accord. Mais il n'y a pas de code là-dedans. Dommage parce que l'autre pièce est codée, malheureusement. Jeu d'arcade Gorge. Je prends. Sait-on jamais, ça peut être intéressant. Ça, je veux bien scanner aussi, tiens, au passage. Je sais pas si je peux véritablement y ranger des choses, mais écoutez. Nous verrons bien. J'ai donc une casquette, ça y est, c'est la fête. No signals. Lit 1, je l'avais pas apparemment. Oui, j'avais que le lit 3 de mémoire. Par contre, il y a un code que je n'ai pas. Il y a un code que je n'ai pas. Il y a un code que je n'ai pas. Mais de toute façon, comme je n'ai pas de d'extincteur pour le moment. J'avais pas vu ça. Ça marche? Est-ce que je peux demander, est-ce que je peux demander de la bouffe? Non, je sais pas. Attendez, j'ai envie d'aller voir si je peux toucher le code là-bas. Non, elle veut pas me sortir de la bouffe. Y a un petit chat là-bas. Mouais. Honnêtement. Étagère murale. D'accord, ok, ouais. Y a un extincteur là-bas! Je m'en fous de l'étagère, par contre l'extincteur c'est la folie. En plus, y a un truc juste à côté. Hop. Donc je vais virer cet extincteur là, qui est vide. Je sais pas si je peux le recharger, cela dit. Non. Et je vais le mettre sur le 5. Tout bêtement. Et donc ici, est-ce qu'il y a un code là-dedans ou pas? Non! Ok, ça je prends. Merci. D'accord. Je voudrais pas le gaspiller ici. Vu qu'apparemment il n'y a rien d'autre que je n'ai pas déjà. Ok. J'ai fouillé ce truc. Il y a un truc qui tape ou c'est moi? J'ai que c'est dans ma tête en fait. Non. Ok. Je rentre. Là, peut-être un truc. Toujours pas de code. Toujours pas de code. Toujours pas de code. Stockage vide. C'est une pile, ça. Savez quoi? Je vais faire ça. Je vais virer la moins rechargée, en fait. Et je vais prendre la rechargée. Encore une pile d'ailleurs. Ok. Continuons. Progressons, progressons, progressons.
Merde, y'a rien ici en fait. C'est quoi ce truc bleu là-bas? Ah oui, c'est ce que j'ai lâché tout à l'heure. Ok. Par contre, il manque des codes. Il manque des codes et il me manque surtout un beau. Un très 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 beau code. Et ça, ça m'emmerde. Je voudrais pas avoir à le chercher sur le net. Je voudrais pas avoir à le chercher sur le net. Ce serait con. Ce serait vraiment con. En plus, il doit être genre planqué dans un coin ou un truc comme ça. Ah bah. Ok. Et apparemment, ça n'est toujours pas un. Ça n'est toujours pas un, ça n'est toujours pas un. Un poster là. Je crois pas que j'ai pris le poster du chat. Ah! C'est quoi le code de cette porte? Je suis pas rendu, le problème c'est ça. Non? Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme truc là-dedans? 1806. 1869 et 1454. Comment je peux faire 1806 s'il n'y a pas de 0? Ah! J'ai pas envie! Apparemment, elle a pas de code. Apparemment, elle a pas de code. Enfin bon, c'était aux ouf. On va regarder, chers amis, parce que là, j'ai pas le temps de chercher personnellement. Ok. Ok. D'accord, elle a pas de code apparemment. Selon le wiki, elle a pas de code. Donc on est baisé. Donc on aurait pas dû s'emmerder. Bon. Si je l'ai pris. Apparemment j'ai pris le poster du chat. J'ai pris le poster du chat, parfait. Parfait, parfait. Je prends ça. Je prends ça. C'est juste, je sais que c'est du gaspillage le deuxième, chers amis. Je suis au courant, vous inquiétez pas. Hein. C'est juste que je préfère le gaspiller et avoir un petit peu d'espace. Qu'il y a quelque chose là-dedans. Oui. Apparemment, je suis coincé. Bah apparemment non. Ah attendez. Attendez. Par là. Putain, ça c'est le. Alors c'est exactement la même chose que le cyclope. Je crois pas que je sois censé être par là. C'est sombre. Oh. J'ai rien dit. Aïe, je suis sous l'eau, hein. Je peux pas être, je peux difficilement être brûlé sous l'eau. Bonjour. Aurora, T-minus 6 minutes. This is an emergency response. Ok, on me parle. Oh, t'es sérieux là?
Ah, j'ai 15% d'énergie dedans. To any survivors of the starship Aurora. If you're hearing this, we will do everything in our power to get you home. A rescue mission would be... J'ai gaspillé un truc à 61. C'est pas grave. Y'a de l'air dans le coin ou pas? Y'a pas d'air dans le coin pour le moment. Donc je reviens. Ok, on y retourne. Il y a un code. 14h54. Putain. Allez. Ah putain. Ça c'est humain, c'est pas... Ah mais merde. Non, c'est pas le bon code. Oxygène. Ok. Fou. J'imagine qu'il doit y avoir un datapad que j'ai pas vu. Ça c'est quoi ça déjà? Attendez. Attendez. Ça doit scanner ça. Non? Merde. J'aurais espéré que si. Putain, data code. Allez, data. Accès au lab. 6483. 6483. C'est bon. Rien. C'est quoi ça? Des verres. Inventaire plein. C'est quoi ça? Un truc de chimie, d'accord. C'est les matériels de chimie qui sont juste des objets comme ça. Ça c'est quoi? Un coffre dans un... Ok. Oxygène. Ok. Canon à répulsion, d'accord. Ok, pourquoi pas. Ah putain, mais j'en... Ah, je me suis fait chier avec un code alors qu'il y a le... Le truc juste à côté. Alors c'est quoi là-dedans? Bouteille d'eau. M'intéresse pas pour le moment. Rien d'autre? Treux, pardon. Parlons correctement. Je sais pas ce que c'est. Apparemment c'est gros. Apparemment c'est très très gros. Oh là 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 là. Qu'est-ce que... J'ai pas envie de virer la casquette, elle est cool. Je vais faire une pile, j'en ai trop. Conteneur de laboratoire, c'est quoi ce truc? Récipient en verre. Ouais. J'ai l'impression d'emporter un truc qui sera pas intéressant. Lab container. Inutile. Inutile, donc je le vire. Tant pis, ça me fera de la place. Rien, rien à scanner. Rien, je vous dirai rien sur le zizi. Ok. Ça semble être l'endroit idéal pour le travail d'un soldat du feu. Voilà, c'est bon, je l'ai vu. Canon. Oh putain, je sais où on est. On est là où on était la dernière fois et on n'a pas pu se... Sérieux, là? Et on n'a pas pu rentrer. D'accord. Ok. Bon. Pourquoi pas. Donc, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour de cet endroit. Tiens, viens voir par là, toi. Regarde. Alors, papa, là-bas. Voilà. Ok, bon, bah on a fait plus ou moins le tour de l'endroit, je pense. Ce que je vais faire, c'est qu'on va se rentrer directement là-bas. Directement à la maison. Avec nos découvertes.
Et si jamais on a besoin de revenir, vous me le dites dans les commentaires si vous savez si on a besoin de revenir ou pas. Vous me le dites. Et on verra le moment venu. J'imagine qu'il faudra que je revienne de toute façon dans tous les cas au bout de 3 jours. Pour voir dans quel état sera véritablement... C'est quoi ça? Oh merde! Elle est retournée! Oh merde! Je peux encore rentrer dedans, non? Oh bah non. Enfin si, je peux rentrer dedans, mais... Palme de charge? Waouh! Palme de charge? What the fuck? Blueprint. Palme de charge? Recharge votre équipement pendant que vous nagez. Wouah! Génial! Absolument génial! Bon, la quantité doit être naze, mais c'est génial quand même! Faudra qu'on aille se faire ça à la maison une fois qu'on sera rentré. Allons-y. Bon bah. Ouf. Ah non, j'ai. Lag pas? Ah! Lag pas parce que j'ai franchement pas envie de descendre. Finalement. Origine de l'impulsion d'énergie. Ah, aurais-je loupé quelque chose? Parce que... C'est possible aussi. C'est possible, c'est possible. Merde, je me trompe de... Cela dit, je suis à mi-chemin. Ok. Ça a l'air sympa dans le coin. Très profond, tout ça, tout ça. Ok, non, je préfère encore... Vache. Ouais, je comprends pourquoi tu es là en même temps, vu la quantité de lignes qui est apparue d'un seul coup. Mais à mon avis, je pense que plus je passe longtemps dans un endroit précis, plus le jeu se libère du cache. Vous savez, le cache se libère un peu sur le reste. Donc, on a trouvé le Simos, on a trouvé le Prow, on a trouvé un petit peu de Cyclope aussi au passage, mais vraiment un tout petit peu. Donc ça reste intéressant quand même. J'espère ne pas avoir loupé grand chose. Si j'ai loupé quelque chose, dites-le moi. Si je dois y revenir d'ici quelques jours, d'ici 3 jours obligatoirement, dites-le moi aussi, je serais ravi d'avoir cette information. Puis voilà, je pense qu'on a fait un bon épisode hors de l'eau là pour le coup. Et on arrive à la maison, c'est la fête, oui la fête. Ouais, c'est la fête. Ok. Maison qui ne ressemble toujours pas à grand chose d'ailleurs. Merci. C'est toujours sympa de rentrer. Alors, déployable. Il faut falloir qu'on s'intéresse à ça, chers amis, maintenant. Lingot de titane et du lubrifiant. Batterie haute capacité, j'ai ce qu'il faut. Ok. Ensuite. C'est bon, tiens. Ça aussi, c'est bon. Ok. Bon. Bon. C'est pas trop mal. On va peut-être construire plus encore de tout ça. Non. L'or, je peux le remettre. L'or, je peux le remettre. Il est là. Hop. Je devrais avoir ce qu'il faut pour en faire une, non? Ressources. Non, c'est peut-être plutôt là-dedans. Outils. Non. Non, je suis dans le constructeur. C'est dans le constructeur. Hop. Parfait. Ça semble pas trop mal. Ça semble pas trop mal. Hop. Oui, c'est vrai qu'on pourrait mettre déjà toutes les piles. En garder deux. En termes de choses là-dedans, j'aimerais récupérer l'équipement. J'y mets ensuite tous les minerais que j'ai. C'est-à-dire actuellement très peu. Ici, je remets tout l'équipement que j'utilise pas. C'est-à-dire ça et ça pour le moment. Les
piles. Non, les piles, je les garde. C'est les batteries haute capacité que j'ai voulu mettre. Ok. D'accord, intéressant. Étant la portée de la source d'alimentation. What the... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, on verra ça une autre fois, je pense. Centrale thermique, je sais pas ce que c'est. Pompe à air, fixation murale. D'accord. Spot, donc ça m'intéresse pas. Module d'intérieur. Ça, il va nous en falloir. Clairement, il va nous en falloir un. Ça aussi, mais on n'a pas peut-être encore assez d'énergie pour le faire. Écriteau, non. Mur vivant, non. Il va me falloir de... une étagère murale, je pense. C'est plus gros que ce que j'imaginais. Voilà. Est-ce que je... comment je fais pour placer mes objets de merde, là? Genre ça et ça. Je l'ai mal placé, j'imagine. Ok. Voilà. C'est un peu au bord, hein. Je peux pas la faire pivoter, donc c'est... En fait, si je la fais, si, ils me disent que si je la fais pivoter. En fait, le problème, c'est si je la fais pivoter, en fait, elle passe tout de suite en. Ah, ça fait chier. Voilà. Bon, on va mettre ça comme ça. Bon, ça passe un petit peu dans l'entrée, mais. Mais c'est cool. Est-ce que ça marche toujours l'entrée? Oui, ça marche toujours. Parfait. Donc, on a un petit peu d'amis. On a un petit peu de rangement. Histoire que... Pardon, histoire que quand je rentre, je vois des choses intéressantes. Crac, voilà. Bon, voilà, ça fait un petit peu plus vivant. Bon. Puis ça nous fait moins de place dans l'inventaire de prise pour des conneries. Surtout. Surtout, surtout. Par contre, le problème, c'est que si je veux mettre quelque chose... Non, je vais pas les mettre là. Plutôt les mettre là. Pour une raison évidente. Pour une raison évidente, c'est que si je veux mettre une pièce en face, par exemple, je... Ouais. Ouais, ça me semble bon. Bon. Dans les prochains épisodes, qu'est-ce qu'on va faire? On va améliorer aussi encore une fois cette base. Je vais avoir besoin de bien plus d'énergie, je pense. Même si c'est vrai qu'on n'a pas pu créer, on n'a pas dû créer grand-chose. Au passage, si je récupère mes palmes, qu'est-ce qu'il fallait avec? Qu'est-ce qu'il fallait avec les palmes? Ah bah. Ah bah, j'ai pas le droit de les construire apparemment. Ou alors c'est dans une autre station? C'est dans une station d'amélioration, c'est ça? Ce qu'on avait vu la dernière fois? Parce que si c'est ça, je l'ai dans le fion. Très profond. Il me semble que j'ai vu ça tout de suite. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Ah bah. What? C'est quoi ce bug? Ah, c'est parce que j'ai pas le truc. D'accord, ok. Là, il réagit parce que j'ai pas le truc finalement. Ou parce que j'ai pas le titane. On va aller vérifier.
Donne-moi un petit peu de titane, jeu, s'il te plaît. Par contre, oui, tu vas me remettre les bons trucs à la bonne place, s'il te plaît, aussi, au passage. Merci. Ça m'intrigue, cette connerie. Parce que si c'est un bug, je vais pas la garder, mais c'est juste pour voir si ça va au bout, ou si c'est juste pour pouvoir se dire, tiens, tu peux le placer où tu veux maintenant, vas-y, fais ce qui t'enchante, mais par contre, tu pourras pas le construire, le finaliser. Parce que si je peux le placer, ça me permet de savoir, entre guillemets, parce que là, ça va être le dernier épisode de la semaine pour moi à tourner, ça me permet de savoir si j'ai un intérêt... Je me suis fait mordre le cul, ça m'apprendra. Oui, ah ouais, t'inquiète. T'inquiète, je n'oublie pas. Du plomb, mais non, c'est pas ce que je cherche. Hein. C'est pas ce que je cherche. S'il te plaît, respecte-moi. Bah j'ai pas pris tant d'oxygène que ça apparemment. Ok, là cette fois j'en ai pris. Bon, limite, si je trouvais simplement un bout de... d'aurora, je gagnerais du temps, voilà. Je vois que la profondeur devient jaune, donc j'imagine qu'il y a un moment où je vais... C'est joli. Où je vais crever. Si je vais trop profond. Forcément. Si en plus la profondeur de l'océan devient un problème. Donc, Simon. Ce qui me fait penser au passage que j'ai complètement zappé. De faire mon titane. Au passage. Merci. T'es quand même pas en train de me dire. Bon bah je comprends pas. Ou alors c'est que j'ai pas tout ce qu'il faut peut-être. Je ne sais pas. C'est un drôle de... C'est une drôle de chose on va dire. Ce que je peux faire aussi ici. Tout bêtement aussi au passage. Je viens d'y penser que maintenant en fait. Hein, je le reconnais mais... Ah, d'accord. Il y a un réacteur nucléaire aussi qui est apparu. Je ne me rappelais pas de ça. Alors déjà ça. Ça, il faut largement renseigner de comment ça marche. Hein. Comment veux-tu que ça marche? Pot de fleurs. Je peux tout aussi bien. Non, je peux pas les placer l'une à côté de l'autre comme ça? Pourquoi? Ah, d'accord. Ok. Bah alors, il manque du titane ou quoi? Il manquerait bien du titane. Hein. Je prends de l'oxygène. Là, je vois un bout d'aurora. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! D'accord, cool. Mais ça veut dire que ça aussi c'en est? Par contre, je suis hyper méga profond. Il y a une drôle de bestiole là-bas. J'aime pas ces bestioles là. Et on va remonter directement dans le... On va pas tenter le diable comme on dit. Directement dans la maison. C'est bon. Allez, trouve-moi un petit bout de... De l'aurora qui s'est crashé dans le coin, genre à 40 millions de kilomètres. Par contre, j'ai l'impression que dès que je vais trop profond dans une nouvelle zone, le jeu me dit, fais gaffe quand même, Marcus, je vais laguer. Le mec est vert là-bas à gauche, hein, vous avez remarqué? Bon. Je remonte. Je suis un peu déçu. Putain, il y avait profond. On y retourne. Ah, voilà.
Bon, c'est pas véritablement, pardon, ce que je souhaitais, mais disons que ce sera déjà mieux que rien. Bien, bien, bien mieux que rien. Il me dit de scanner ça. Fragment de Simoche. Oh bah putain, si j'avais su. Il y avait un Simoche juste à côté, quoi. T'es sérieux? Oh la gueule! Bon bah écoute, on rentre à la base, hein, j'ai ce qu'il me faut maintenant. Ok. Il y en avait juste à côté. On s'est fait chier pour rien. Par contre l'épisode va s'approcher de 50 minutes là. Oui, 50 minutes de Snowden. Je m'arrête, faut que je m'arrête dans ce jeu. J'ai du mal à m'arrêter, je suis désolé. Je suis désolé, je sais que ça fait long. Oulala. Oulala. Ouh, ça pue. Putain. Oh, il y a eu un bug. Je crois que j'ai dû mourir au bon moment et que ça m'a... Ça m'a sauvé. C'est ça? Ça semble être ça. Bon bah écoutez, on a du bol. On a du bol. En tout cas, le jeu a pas l'air tout à fait d'accord avec ce que je fais. Ce qui est assez rigolo à regarder. Et là, tu veux bien? Oui, il a bien voulu. Quel gentilhomme. Ok. Donc soit j'estime que toute cette branche là sera la branche énergétique, si je puis dire. Je peux me faire ça d'ailleurs. Hein. Je pense que je peux me dire que ça ce sera la branche énergétique. Hein. Tout bêtement. Bon par contre ça fait un putain de labyrinthe cet endroit. Même si c'est vrai que pour l'instant j'ai pas vraiment besoin d'une branche énergétique. Hein. Mais bon j'ai des idées que j'aimerais voir perdurer, si je puis dire. Donc ouais je sais pas. D'accord, c'est passé par ici. Et par ici. Ok. Ce qui veut dire que je vais peut-être devoir marcher là-dessus pour. Bon, c'est pas grave. Ça c'est bon ça, hein. Je veux pas dire, mais ça marche très très bien la patate chinoise. Hein. Ok, bon. Eh ben écoutez, chers amis, du coup, nous on va se laisser là pour cet épisode. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo!